S'il y a deux groupes qui ont marqué les années 80, c'est bien eux. Je parle bien sûr des groupes Gold et Image. En 1999, ils ont eu une formidable idée, celle de se réunir et de mélanger ainsi leurs univers pour ne faire qu'un. Le groupe Émile et Image est avec nous. Bonjour messieurs. Alors, Mario, Émile, Jean-Louis. Très bien, alors les présentations sont faites. Alors vous avez chacun connu le succès avec vos groupes respectifs. Comment est née cette idée de se réunir en 1999 ? Et en fait, on se rencontrait souvent dans les discothèques et dans les concerts, et j'étais souvent seul et j'enviais un peu leur idée d'être tous les deux et de pouvoir communiquer, de pouvoir discuter, de pas être seul en fait. Et un jour, comme on est en plus de la même ville, de Toulouse, on en a parlé et ça s'est fait presque tout naturellement. Hein. On a le même passé musical. La même histoire musicale et on s'entend bien et c'est un peu les mêmes répertoires, c'est des chansons assez festives, assez ambiance, donc voilà quoi. Ça se fait un petit peu comme ça, hein, Jean-Louis. Voilà, il faut savoir qu'Emile était tout seul, ça faisait à peu près 10 ans qu'il tournait tout seul, il avait quitté son groupe Gold. Voilà, donc il avait peut-être la nostalgie des groupes, envie de revenir avec des musiciens, voilà. Et puis nous, pareil, au début on était trois. Quelque part, il nous manquait aussi une troisième personne. Enfin, c'est beaucoup mieux à trois, ne serait-ce que pour l'harmonie des voix. Et puis voilà, c'est un peu plus un groupe. Clavier, guitare, batterie, voilà, c'est plus. On se régale beaucoup plus à trois que chacun de notre côté. L'union fait la force. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de disques que vous avez vendus à vous trois réunis, si on mélange le groupe Gold? En 25 ans de carrière, ça donne nous tout réunis là, Émile et Image réunis, on a à 17 ou 18 millions d'albums vendus. Et qui est pas si mal comme il dit Émile. Je trouve ça très honorable que, comme aujourd'hui, tout ce qui est musique, c'est difficile à vendre aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et se trouve que en 1999-2000, quand on s'est réunis et qu'on a fait cette fameuse compilation jusqu'au bout de la nuit, ben on a vendu 3 millions d'albums. C'était les dernières grosses ventes de disques en fait. Ouais. Oui, parce que c'est quelque chose que l'on voit plus aujourd'hui. Enfin, c'est de moins en moins en tout cas. On n'imagine plus un artiste passer 30 semaines par exemple au top 50 ou quelque chose comme ça. Difficile de vendre des disques maintenant, c'est vrai. Alors, on va prendre par exemple le titre phare, Les Démons de Minuit. Alors les chiffres, 13 semaines, numéro 1 au top 50. Et aujourd'hui encore, j'ai été voir hier sur YouTube, plus de 11 millions de vues. Comment vous pouvez expliquer que en fait, ben voilà, ça a traversé les générations, ça cartonne toujours autant aujourd'hui? Il y a un petit peu la magie d'une chanson réussie en fait, c'est ça. Parce que moi je peux en parler librement et facilement, puisque c'est pas moi qui ai composé ni rien. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est une chanson vraiment réussie avec un vrai gimmick, avec de vrais couplets, de vrais refrains, une vraie belle chanson. Quoi. Et en plus tonique, puisqu'elle est, c'est difficile de mettre une mélodie quand on met du rythme dans une chanson. C'est difficile de faire une belle mélodie. Là c'est réussi, c'est magique parce que c'est compliqué. Quoi. C'est pas dans les chansons rythmées, c'est difficile de mettre une mélodie qui va être retenue par les gens, qu'on va retenir. Et là, tout est facile à retenir et bien à jouer. On se lasse jamais de rejouer parce que le gimmick est bien fait, il est magique aussi. Et les couplets, en fait, c'est une vraie chanson, quoi, réussie. À l'époque, on avait enregistré Les Démons des Minuits avec Jean-Louis. On avait un groupe à 5. Et notre objectif, c'était de travailler la musique, de faire la musique d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire de programmer la musique et d'avoir cet état d'esprit en programmation, c'est-à-dire d'entendre les résultats de suite pour que les notes sonnent et réveillent la conscience collective dans l'instant.
Et y a quelqu'un qui peut vous parler de ça mieux que moi, parce qu'il a cette oreille-là. C'est pour ça que Les Démons Démunis a été composé. Et c'est parce qu'il a su entendre le cœur des gens. Et c'était sa force, et c'est encore sa force jusqu'à maintenant. Je vous passe Jean-Louis. Non, mais c'est difficile de parler d'une chanson. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est la chanson. On a été agréablement surpris il y a 2 ans quand on nous a appris que c'était la chanson préférée des Français auprès d'un sondage sur plusieurs radios et télé. Voilà, les gens ont voté, oui. Les gens ont voté que c'était bien devant Michael Jackson, voilà, ouais, etc. Céline Dion, en fait. Voilà, c'était la chanson préférée des Français. Des années 80. Voilà. Donc, on est plutôt fiers d'avoir réussi ça. Après, pour vous expliquer comment on a réussi à le faire, voilà, c'est la passion avant tout, l'envie de faire quelque chose de pas trop mal. Et voilà, quoi. Et on est toujours fiers aussi de la chanter. Et on a un succès incroyable, on ne se lasse pas. Quand on termine cette chanson, les applaudissements, ou dès qu'on la démarre, voilà, c'est une magie exceptionnelle. Et ça, c'est un grand bonheur, et pourvu que ça dure encore longtemps. Alors, sur cette magie, moi j'ai une petite anecdote. J'étais animateur disque jockey avec mon cousin, et je sais que des fois les soirées retombent un peu en puissance, et tout de suite, voilà, le secret, Émile à Images. Ça réveille tout le monde, ça ramène tout le monde, c'est vrai, hein, c'est hallucinant. On va revenir sur le clip quand même. Le clip avait fait scandale à l'époque de cette chanson. Vous pouvez nous en parler un peu ? C'était un clip, Les Démons Démunis, c'était logique que ça se tourne dans une église. Déjà, dès qu'on touche à des mythes comme la religion, c'est clair que c'est difficile. Mais à nous, ça nous a amené un plus. C'est le fait que le petit côté scandale a fait que ça, qu'on en parle. On avait besoin qu'on en parle des choses. C'est-à-dire, une chanson comme Les Démons Démunis tournée dans une église, il fallait qu'on en parle. Parce que on est des musiciens, donc on est là. Notre truc, c'est pour notre rôle, c'est un peu de briser un peu les tabous de tout ça, quoi. Et je trouve qu'on a réussi. Comment on pourrait dire, réunification, enfin en 99, le mélange des genres. Comment vous avez fait pour que aujourd'hui toute une génération, quand on entend Les Démons de Minuit, et ben on vente tout de suite, hein, vont nous venir à l'esprit Maîtresse, vont nous venir à l'esprit d'autres chansons du groupe Gold. On a l'impression que ça ne fait qu'un en fait, et que limite c'était prédestiné. Vous étiez prédestiné à vous retrouver. En fait, quand on a plaisir à chanter avec des personnes, c'est beaucoup plus facile en fait, et ça paraît plus naturel. Mais j'aurais pas pu m'associer avec n'importe qui. C'est vrai que c'était une grande chance d'avoir le groupe Image à Toulouse et d'être moi-même de la région toulousaine. Donc il y a eu ces facilités-là. C'est clair qu'ils auraient été de Strasbourg, l'association ne serait jamais faite, je suppose. Mais là, je suppose qu'il y avait une bonne étoile qui était là et qui a fait qu'on a monté ce groupe qui est magique maintenant, hein, puisque ça fonctionne depuis 11 ans qu'on est ensemble, ça marche très bien, et l'association, c'est toujours mieux que la division, parce que quand on perd quelque chose, c'est négatif, quoi. Alors que l'association, c'est positif, puisque on rajoute, on associe, et ça c'est un gros atout pour le groupe, quoi, pour ce groupe toulousain maintenant. Et oui, voilà, c'était, vous disiez magie, avec magie on peut faire image, c'est l'anagramme d'image, j'étais en train de réaliser. Et moi je dirais que, avec la chanson Plus près des étoiles, je crois que depuis qu'on existe tous les trois ensemble, je crois qu'on l'est vraiment.
Oui, donc Toulousains ensemble. Est-ce que vous avez pensé à travers le temps, je ne sais pas, dernièrement par exemple, à vous réunir avec d'autres groupes de Toulouse pour enregistrer une chanson? Par exemple Zebda, on peut penser, ou... En fait, ça va se faire, mais avec les artistes et avec les chanteurs de la tournée des années 80, on va faire un album. On va faire chanter à Thierry Pastor une chanson qui s'appelle Calicoba, que j'ai composée, et on va chanter les refrains avec lui, avec Cookie Lingler, avec Jean-Pierre Madère et avec certains des artistes de la tournée. On va faire cet album qui devrait sortir l'année prochaine, puisque là c'est pas possible cette année puisqu'il y a ce film. Alors le film, on y vient. Donc un film sur la, en quelque sorte inspiré de la vie d'Olivier Kefer, producteur de la tournée des années 80 entre autres. Alors vous jouez dans ce film, racontez-nous, alors pas l'histoire du film mais l'aventure. En fait l'aventure c'est un petit peu une question qui a été posée à Jean-Louis de la part de nos producteurs qui disait est-ce que ça serait bien de participer à un film qui parlerait des artistes des années 80, et Jean-Louis a dit que c'était une très bonne idée, et surtout c'est encore une meilleure idée surtout quand c'est produit par Thomas Langman quoi, qui tout ce qui touche est de l'or quoi, et après hein. Donc c'est vrai qu'on a cette chance dans notre carrière de musicien toulousain, enfin d'artiste français, de tourner dans un film, et pas avec n'importe qui, puisqu'il y a Richard Anconina et Patrick Timsit qui sont des stars du petit écran français. Donc on est fiers de ça, quoi. Ah oui, c'est une super aventure. Et puis entre copains, surtout avec toujours la bande de la tournée, là, les artistes chanteurs de la tournée. Voilà, donc ça a été une récréation. On a passé notre temps à rigoler, à s'amuser, à essayer de bien faire les choses malgré tout, parce que c'est un véritable travail. Mais on a été bien drivé, bien conseillé, on avait tout ce qu'il fallait autour de nous. Et puis voilà, Thomas Langman vient de faire The Artist. Donc quand même, vous voyez, notre producteur, il sait faire les films. Et j'espère qu'il ne s'est pas trompé en nous faisant confiance. Ils m'entraînent au bout de la nuit, les démons de minuit. On va faire un carton. Alors on a une petite chronique qu'on fait depuis les années 90, enfin depuis la tournée des années 90 avec tous les invités que l'on reçoit. Cette petite chronique, elle concerne les fans. Vous avez eu des fans, vous en avez encore. Est-ce que vous avez une petite anecdote qui vous revient? Quelque chose qu'un fan ait fait pour vous? Quelque chose d'hallucinant? Moi j'ai eu une anecdote, j'ai mon plus grand fan qui est venu passer ses vacances, son voyage de noces. Il est venu le passer dans un petit village où il ne se passe jamais rien, dans le village où je suis né. Et il est venu passer 15 jours de voyage de noces dans ce village pour interviewer, enfin pour faire, oui, un genre d'interview comme aujourd'hui ici, mais sans caméra, pour aller voir les commerçants, les personnes qui me connaissaient, pour savoir comment j'étais quand j'étais plus jeune et tout ça. Il a fait un peu mon curriculum vitae. Et c'est un gars qu'on pourrait croire qu'il est un peu dérangé, mais pas du tout, puisqu'il est à la tête d'un vignoble de 15 hectares de Bourgogne, d'un très bon Bourgogne. Et il vend 150 000 bouteilles par an au Japon, en Angleterre. Donc c'est pas un hurluberlu, c'est une personne tout à fait normale, mais qui est passionnée par le groupe Gold et qui était fier d'amener sa femme en voyage de noces dans le petit village où je suis né, qui est un tout petit village de 1500 habitants. Quoi, voilà. Ça, c'est une anecdote un petit peu, hein, c'est un petit peu anachronique, on va dire. Le nom du village Rabastens. Ça s'appelle Rabastens sur Tarn. Voilà, c'est dans le Tarn. Jean-Louis, tu as une anecdote? Vous y allez, vous demandez Émile. Ce serait bien reçu. Des anecdotes avec des fans, il y en a énormément. Enfin, ce qui nous surprend le plus, c'est leur fidélité et la façon ils s'organisent pour prendre des congés sans solde, pour nous suivre, pour être là à tous les concerts. Et c'est exceptionnel parce que parfois on est à l'autre bout de la France, quoi, et par rapport à chez eux. Et ils sont devant la scène, toujours au même endroit. Parce que bon, ils ont leur préféré dans le groupe. Alors ils savent absolument à quel endroit on sera placé.
Et ouais, c'est vrai que ça, c'est impressionnant. Mais nous, on joue le jeu, ils sont adorables avec nous, mais on l'est avec eux. On va toujours prendre un petit moment pour aller les voir à la fin et tout. Voilà. Ils sont heureux, on leur donne du bonheur, mais ils nous en donnent aussi. Voilà, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est leur façon de vivre qui nous touche beaucoup, que l'on respecte. Alors, la question a une suite. Donc là, je vous ai demandé quelle est la chose donc, qu'un fan vous ait fait, à vous d'exceptionnel. Et maintenant, l'inverse. Qu'avez-vous fait pour un fan d'exceptionnel? Une anecdote. Et en fait, toujours pour... pas pour la même personne, puisque c'est pour sa femme. Il m'a demandé un truc un petit peu spécial. J'ai chanté en voix de tête l'Ave Maria de Gounod. Et ça, il était au courant, puisqu'il il connaît tous... ce que j'ai fait dans ma carrière. Et donc un jour il m'a demandé de faire une surprise pour sa femme et pour le mariage, pour un mariage, de chanter sur un CD l'Ave Maria de Gounod. Et donc je pense que ça lui a fait plaisir quand ils ont passé ce CD à l'église pour le mariage de sa sœur, enfin, d'amis à eux. Voilà. Enfin, rien d'exceptionnel, mais par le phénomène Facebook aujourd'hui, on peut leur souhaiter leur anniversaire, parce qu'on les a aussi comme amis sur Facebook. Et je sais que quand on leur souhaite un bon anniversaire, eux, ils n'oublient jamais nos anniversaires, mais je sais qu'ils sont heureux. Puis quelquefois, on leur donne ou un médiator, ou une guitare, ou une paire de une baguette. Souvent, ils doivent en avoir déjà pas mal. Puis des dédicaces, ils nous demandent toujours des dédicaces, une fois qu'on les voit. Je ne sais pas s'ils en font la collection, mais voilà. On fait tout ce qu'ils, au fond, tout ce qu'ils nous demandent, mais bon, voilà, dans la mesure du possible. Bon, je vais pas vous demander une dédicace, mais nous, pour finir l'émission, on a une petite habitude. On sort l'iPhone, on prend une photo souvenir. Allez. D'accord. Je faisais pas ça dans les années 80. Non, on n'avait pas d'iPhone. Bah oui. On a même Polaroid. Ouais. Yes. Allez, Jean-Louis, approche-toi. Elle est bien, ouais, là. Ouais. Elle est bien, en plus, là. Regarde. Ouais. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Parfait. Yeah. Yes. Parfait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus ici et puis ben, bonne continuation et on se retrouvera sûrement sur une autre tournée ou sur des dates. D'accord, avec plaisir, donc ouais, quand vous voulez. Avec plaisir pour nous aussi, merci beaucoup. À bientôt.